Salut à tous et Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test sur une version démo d'un jeu qui s'appelle Tesla Grad. Un jeu qui est sorti en décembre 2013, développé par le studio indépendant Rain Games, qui est un studio norvégien. Et donc dans le titre on voit Tesla. Donc pour ceux qui connaissent Nikola Tesla, qui a pas mal contribué au développement de l'électricité, en créant donc le courant alternatif. Alors on va créer une nouvelle partie et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc voilà, on commence directement dans le jeu. Ah oui, je voulais changer les contrôles là pour sauter. Oui, V. Voilà, donc on a les flèches directionnelles et donc j'ai mis il y a 4 boutons. Donc pour sauter, rouge et bleu. Alors on va voir tout ça, le rouge et bleu. À quoi ça va servir? Donc c'est un jeu en 2D, un puzzle game, plateforme. Comme vous pouvez le voir. Ce qui frappe tout de suite, c'est les graphismes qui sont très jolis, qui sont faits main. Donc ça ressemble un petit peu à une BD. J'aurais pas dû mettre ça comme contrôle, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc le scénario, en fait, c'est dans un royaume. Pour repousser les ennemis, le roi demande aux scientifiques de créer une nouvelle technologie à base d'électricité pour repousser donc ses ennemis. Ah mince, ah ouais, voilà, fallait pas sauter. Et donc ils vont créer donc cette technologie à base d'électricité pour repousser donc les assauts des ennemis. Malheureusement, le tyran va vouloir s'emparer de la technologie et donc tuer tous les scientifiques. Et donc là, on joue le fils d'un scientifique. Donc on pense plus ou moins que c'est le fils de Nikola Tesla, par exemple. Donc puisque on se réfugie dès le début de l'aventure dans la tour Tesla. Où donc on va rencontrer pas mal d'éléments électriques, de champs électromagnétiques. Voilà, donc là il faut suivre la petite libellule dorée, ou je sais pas c'est quoi. Donc pour ceux qui sont forts en physique, là je récupère un gant qui va me permettre de pouvoir changer la polarité de l'électricité, en plus ou en moins. En fait c'est pour ça qu'on a la couleur rouge et bleu. Donc là c'est rouge, là c'est bleu. Donc voilà. Alors comment ça se passe, c'est que les charges opposées donc vont s'attirer. Donc ici le bleu et le rouge s'attirent. Alors que les charges de même couleur, par exemple si je fais du bleu là, ça va pas marcher. Là il va me falloir du rouge. Voilà, et là elles vont s'attirer. Et donc il va falloir que je revienne en arrière. Donc ça c'est les cours de physique hein, de 4e je crois, un truc comme ça. Pour ceux qui se souviennent. Et donc tout le jeu va se passer sur ce gameplay. Il va falloir résoudre des énigmes dans ce jeu de plateforme. Un décor assez magnifique quand même, c'est très joli. Ah, il y a un parchemin en haut, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un mec.
Donc vous entendez, il n'y a pas trop de musique. C'est plus une ambiance. Là, on est dans une cathédrale, donc on est dans une ambiance de cathédrale ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment je pourrais récupérer le parchemin en haut. Parce que voilà, dans le jeu, il va y avoir donc 36 parchemins à récupérer. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Pour finir le jeu et avoir la fin, la bonne fin. Sinon, on a une autre fin si on ne récupère pas donc tous ces parchemins, ce qui n'est pas très grave, mais ce qui donne un petit peu de rejouabilité donc au jeu. Donc vous voyez là, le bleu et le rouge donc s'attirent puisqu'ils sont différents. Et donc là, il faut du rouge pour s'attirer. Si je mets du bleu, ça va pas marcher. Voilà, c'est ça le principe du jeu. Basé sur l'électricité, un petit hommage à Nikola Tesla. Donc plutôt sympa, plutôt original. C'est un petit peu la mode en ce moment, les puzzle games platformer. Là, je sais plus ce qu'il faut faire. Bon, alors au début, les énigmes sont assez faciles à résoudre. Non, ça marche pas? Ah si. Non, c'est pas par là qu'il faut passer. Les énigmes sont assez faciles à résoudre, mais ça va se compliquer de plus en plus, évidemment. Non, faut que je fasse demi-tour. Ouais, vous voyez, donc tout est basé sur la polarité, donc hein, entre le plus et le moins. Ce qui nous permet de créer des passages pour accéder et avancer. Donc là, c'est comme ça. Ça n'a pas été évident de réfléchir. Pourquoi il ne s'attire pas cela? Ouais. Alors des fois on peut s'aider aussi avec les robots qui changent la polarité. Je sais pas si ça va marcher là. Non, c'est pas ça. Ah bah si, ça a levé le. D'accord, ok, super. Non. Hop, hop, hop. Je suis un petit peu perdu là. Voilà, c'était ça. Donc plutôt original hein, comme concept, comme idée. C'est plutôt sympa à jouer. Hop, voilà, on peut s'agripper au mur grâce au robot. J'ai raté mon coup. Voilà. Donc on a le gant là qui nous permet de changer les polarités. Ensuite on va avoir des bottes. On a une capuche polarisante. Donc je crois que c'est quand je touche un robot là. Une espèce de capuche, ça doit être autre chose, je sais pas, j'ai pas trop vu encore. Et ensuite on a un bâton qui va nous permettre de polariser à distance. Donc ce qui va être plutôt pratique pour les niveaux suivants. Oui non mais faut que je monte là. En changeant la polarité. Hop là, voilà. Je me suis pas fait avoir. Donc voilà, on est dans un univers un peu steampunk, pardon. Avec des décors de l'Europe du 19e siècle. Donc assez original. Hop là. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est là? Oula. Ah oui, non, là je peux pas passer. Ouais, je ne sais pas comment on fait pour choper cet objet. Est-ce bien un objet? Je ne sais pas. Donc voilà, il n'y a pas de dialogue dans le jeu, il n'y a pas de scénario raconté dans des cinématiques. On va juste avoir des petites animations sous forme de théâtre d'automate. Sans dialogue, hein, sans texte. Donc c'est plutôt un jeu très très visuel, hein. On peut voir à l'écran, c'est assez magnifique. Donc avec beaucoup de détails dans les graphismes. Donc là par exemple, faut pas que je me fasse toucher par un robot, parce que sinon ça va déclencher le champ magnétique. Et voilà, ça va me repousser contre l'espace de quelques secondes, contre les champs magnétiques qui sont à gauche là,
qui peuvent me tuer. Ouais, c'est quand même assez joli, même très très joli comme jeu. Donc c'est un jeu qui ne se raconte pas, hein, qui vraiment se regarde. Il peut être assez contemplatif dans ce jeu. Très très joli. Bon, on va avancer un petit peu pour vous montrer un peu plus du gameplay. Là, je ne pourrais pas passer, je pense. Voilà. Donc on a un seul point de vie. Et on reprend donc juste avant là où on est mort. Hein. Donc ça va, c'est plutôt... Il y a des checkpoints à chaque salle en fait. Y compris pour le boss. Et les boss, autant vous dire qu'ils sont pas... Non, là faut que je le pousse. Non, faut que je le transforme avant. Non plus. En bleu. Oh merde. Oui, c'était ça, mais... Ah oui, voilà, faut que je le transforme en bleu pour faire tomber la plaque rouge. Voilà, puisque ça l'attire. Ah non, mais c'est bien foutu quand même. C'est très très sympa. Alors ici, petite énigme. J'ai joué tout à l'heure, mais je ne sais plus déjà comment on fait. Peut-être en lui le mettant en bleu. C'est pas sûr. Donc la difficulté est progressive, hein. Au début, c'est plutôt... Non, ça va pas? Allez Kiki, merde, c'est quoi qu'il faut faire là? C'est du bleu ou du rouge qu'il faut? Bordel de merde. Aïe aïe aïe, je sais plus. Ah oui, il est collé là. Ah bah je peux la transformer, moi je suis con. Ah voilà, donc oui. Donc là, il faut que je le renvoie en bleu. Vas-y, va faire ton tour. Pourquoi t'es bloqué? Ah non, faut que je le remette. Ah bah voilà, c'est ça. Pourtant, c'est rouge sur rouge, là, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, je suis passé. Donc c'est un jeu qui est à 10 € sur Steam, hein. Je l'ai téléchargé sur Steam. Donc un jeu indépendant. Hop là, et là je mets du rouge. Et voilà, c'est magnifique. Du bleu. Ouais, c'est quand même plutôt bien foutu au niveau des énigmes. Alors... Non, je peux pas mettre en bleu. Comment fait-on ici? Je ne sais plus. En rouge. Voilà, d'accord. C'est super. Alors lui, je crois qu'il va me transformer. Il va me donner la possibilité de m'accrocher au plafond, voilà. Et donc là, faut que j'évite de toucher les robots. Sinon, ils vont m'envoyer donc dans l'électricité, là, l'espèce de champ magnétique, là. Enfin, non, le champ magnétique, c'est ce qu'il y a en haut. Le courant en... Ah, merde, d'accord, j'ai trop avancé, là. Voilà, oui, rouge sur rouge, donc ça s'écarte. Ce qui me permet de passer. Donc on a quand même une ambiance qui est très sympa, un gameplay assez intuitif, on trouve assez facilement ses repères. Hop là, non. Aïe 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 aïe. Dégage. Eh hey, merde. Ah, j'ai pas réussi à passer là ou quoi? Voilà, donc maintenant je maîtrise. Voilà, impeccable. Voilà, je vais pouvoir vous montrer un peu plus du jeu. Espérer peut-être vous montrer. Ah non, merde!
Oh putain, je recommence en haut en plus. Évidemment. Essayez d'aller vous montrer le premier boss. Qui est pas facile. Hein. Je sais pas si je vais réussir à le battre sous vos yeux. Ah merde. Hop. Bon, d'habitude j'arrive à passer ce passage. Et là je chie un peu là. Voilà, hop, on se dépêche. Donc ça s'appelle Tesla Grad. Ah oui, là j'ai besoin de lui pour monter. Voilà, on va essayer d'aller par là. Qu'est-ce qui se passe par là? Ah oui, là faut que je le mette en bleu. Voilà. Ah non, mais. On va aller par là. Vous voyez, un univers assez lugubre. Dans une ambiance. Oh, ça sent le boss là, je crois. Voilà, donc c'est le boss, hein, monsieur le boss. Alors, il faut lui balancer des. Il faut que j'avance un peu, voilà. Alors, il a une sale gueule, hein. On est dans une fonderie ou je sais pas quoi. Faut que je transforme donc les briques en bleu. Il faut faire gaffe parce que. Voilà. Ah merde! Ah ouais, non, quand tu craches du feu là, faut s'écarter, mais. C'est un peu tendu quoi. Donc voilà, on met en route le mécanisme. Voilà, je vais crever. Je suis pas encore au taquet sur les. sur les contrôles. Oh là là, mais c'est dur là. Alors j'ai réussi à le battre tout à l'heure, mais c'est pas évident quoi. J'aimerais bien vous montrer un petit peu la suite. Donc c'est un petit peu le seul petit défaut du jeu. C'est que les boss sont quand même assez coriaces. Oh non, mais c'est trop dur. Bon, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc, Tesla Grad, téléchargeable sur Steam. Là, c'est la version démo. Donc, je vous laisse essayer ce jeu qui est plutôt sympa, plutôt original. C'est bien foutu, c'est joli. Un bon gameplay. En durée de vie, il faut compter... je vais réessayer, tiens, en attendant. En durée de vie, il faut compter ouais, 6 ou 8 heures pour le finir. Ce qui n'a pas été évident. On va perdre pas mal de temps sur les boss qui sont loin d'être faciles. C'est assez flippant là la musique. Alors là il va cracher son feu. Et merde. Bon voilà, je vous laisse là-dessus. Tesla Grad donc. Je vous dis à bientôt pour un prochain test, une prochaine démo. A bientôt les amis, ciao. Il est pas content le boss, hein.